Sans aucun doute, c'est l'ambiance des grands matchs. On est tous impatients de voir cette rencontre débuter. Liverpool affronte Chelsea. Voilà, on y est, le coup d'envoi de ce match donné par Liverpool. Oui, bien fait ça. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. La compo de Liverpool dans le but, c'est Alisson Becker, Van Dijk avec Joël Matip en défense centrale, Mohamed Salah sera avec Gakpo sur les ailes et enfin en attaque Darwin Núñez. Ah non, ce centre ne passe pas, c'est contré. Oui, à deux, c'est bien fait. Centre au premier poteau. Oh là là, dégagement complètement loupé. Et finalement, ça ne donne rien. Jetons un œil sur la compo de Chelsea. Titulaire dans le but, c'est Kepa. Thiago Silva avec Koulibaly en défense centrale. Matteo Kovacic sera épaulé par Jorginho au milieu. Et enfin, seul devant, Kai Havertz. Ah non, c'est contré. C'est bien parti pour ce corner. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Oh, ballon dangereux de Mason Mount. Oh, l'intervention du gardien.
C'est joué court. Et ça joue vers Kai Havertz. Attention, c'est pas terminé. À la défense s'en sort bien sur l'action. Avec Mason Mount. Le ballon pour Kai Havertz. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Thiago. Dépossédé du ballon. Le ballon qui sort, remise en jeu pour Chelsea. Un focus sur Mo Salah, un artiste, un dribbleur. Alors forcément, on va s'intéresser. On l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité et un calme olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Oh oui, la frappe. Oui, c'est contré, bonne défense. Mount. Là, ça joue sur Reece James. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Un manque de lucidité sur cette transmission. Fabinho. Et bien fait, attention à l'occasion. Et voilà ce but, le premier but inscrit dans cette rencontre. Et les voilà donc qui mènent maintenant. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé ! C'est reparti, les Blues mènent au score. Peut-être un bon mouvement offensif pour Liverpool. On met ça là. Oui, bien défendu. Un corner pour les Reds et une occasion de revenir au score, pourquoi pas. Le corner bien tiré. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Ouais, la faute et le coup franc pour Chelsea. Jorginho. Kovacic. Allez, sur le côté, les Blues ont un peu de champ. Ça arrive pour Pulisic. Allez, maintenant Sterling. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée. Elle passe très très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. Ah non, c'est pas bien relancé du tout ça. Mais seulement on peut frapper. Et bim, c'est au fond. Un nouveau but pour Chelsea. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage
il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Il est furieux le coach après ce nouveau but encaissé. On sent que certains vont avoir droit à une explication. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Ah, il est passé sur ce bon geste. Le ballon pour Mohamed Salah. Et il remporte son duel, bien défendu. C'est un ballon de contre à jouer. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Attention à cette passe. Ça sort et corner pour les Reds. Le corner qui est célébré comme une occasion de but. Le public y croit à la remontada. En deux temps, ah, dommage pour l'attaque, c'est contré. Ah, le ballon sort, l'arbitre indique le poteau de corner. Ah, ce coup de pied arrêté et joué court. Le centre n'arrive pas à destination finalement. Intervention de l'arbitre et on revient donc à la faute. C'est bien frappé dans la surface. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Et ballon renvoyé. L'action continue. Le drapeau se lève. C'est un hors-jeu. Mount. Oui, sans commettre de faute. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Et on peut dire que le plan ne se passe vraiment pas comme prévu pour l'équipe locale. Vivement à la mi-temps. Évidemment, c'est une mi-temps un peu décevante. La défense trop friable. Il va falloir remettre tout ça au point dans le vestiaire pour en reverser la situation. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Et voilà, un ballon bien intercepté. Oh, la bonne parade! Un corner qui est bien ajusté. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Ah, le ballon est contré. Et voilà, oui! La preuve qu'ils y croient encore. Plus qu'un but pour égaliser. Il y avait toute la maison sur son dos, hein. Les tables, les chaises, les vélos. Et ça fait quand même un but à la fin. Avec la réduction du score, pour le coach, c'est le moment de faire réagir son équipe. Et le jeu reprend, Liverpool a rattrapé par tout son retard, mais il faut encore un but pour égaliser. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé, coup franc à venir évidemment, et peut-être un avertissement aussi. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis.
Le ballon pour Kai Havertz. Ça continue avec Kovacic. Ah, il peut conclure. Et voilà le but. Et il est signé Christian Pulisic. C'est le cauchemar des cardiologues. Avec lui, pas besoin des stimulateurs cardiaques. Installez-vous et régalez-vous. Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée, le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et voilà l'arbitre qui siffle, c'est la mi-temps ici à Anfield. Voilà une prestation de haute volée, grosse influence au milieu de terrain. Grâce à lui, on revise le manuel du milieu de terrain avec la passe de sécurité, la passe d'application, la passe de finition, tout ça dans la simplicité, le naturel et une beauté gestuelle exaltante. Le score est clairement en faveur de Chelsea. Le début à l'instant de la deuxième mi-temps. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Thiago. Kai Havertz, là, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il peut frapper, Kai Havertz. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. La reprise de la tête et c'est dévié par le montant adverse. C'était à quelques centimètres. Attention, c'est rendu directement aux adversaires. Attention là, Kai Havertz. Oh, le but, mais bien sûr, c'était prévisible. Quelle erreur de concentration. Voilà, quand on revoit l'action, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs. Et c'est reparti dans cette rencontre, la balade londonienne, 3 buts d'avance pour Chelsea. Mo Salah. Fabinho. Salah. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Havertz, ballon pour Pulisic, avantage laissé à Chelsea après cette faute, ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque, ouais, le coup de sifflet et le coup franc pour les Blues. Mateo Kovacic. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Darwin. Et ce ballon est récupéré. Et le pressing sur le porteur. James. Avec Mason Mount, Jorginho, Sterling, Mateo Kovacic, le ballon pour Kai Havertz, oui, bonne intervention pour couper l'attaque.
Un bon contre à jouer peut-être. Et ça joue, dit l'arbitre. Avantage Chelsea. Attention à cette passe. Ah non, ce ballon n'arrivera pas. Il y a un bon placement défensif. Jorginho. Le ballon pour Kai Havertz. Ah, bien placé Mason Mount. Et ça finit sans trop de difficultés pour le gardien. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Darwin. Cody Gakpo avec le ballon. Attention à ce ballon dans la profondeur. Ouais, super, sans commettre de faute. Ouais, la faute et le coup franc pour Chelsea. Alors, un changement côté Liverpool. Avec Mason Mount. Il y a une bonne intervention là pour repousser le centre. Matip. Ça joue avec Roberto Firmino. Le ballon pour Mohamed Salah. Mo Salah et ballon perdu. C'est bientôt la fin de cette rencontre. Et pour cette équipe, devant son public, ça sera bientôt la fin du cauchemar. Le problème de ce match, c'est pas le résultat. C'est ce qu'ils nous ont proposé. Les Reds ont perdu. Mais sont plus des perdre, il y a la manière. Sans conviction, sans énergie, sans attitude, la victoire ne viendra jamais te féliciter. Le ballon pour Mohamed Salah. Voilà, c'est un bon centre dans la surface. Oh là là, dégagement complètement loupé. Et ça n'ira pas plus loin. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Et attention parce que ça peut lui valoir des ennuis. Mais c'est un avertissement pour Van Dijk. Il a confondu enthousiasme et agressivité. Attention maintenant. James. Et c'est donc une touche. Aubameyang. Et ballon dans la profondeur. Ah ouais, quel beau geste défensif. Excellent timing. Ouais, le coup de sifflet et le coup franc pour les Blues. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Ouais, le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Un centre dans la surface. Et pourquoi pas une frappe là. Ah, il peut frapper Sterling. Et l'arrêt sans difficulté pour Alisson. Aubameyang avec le ballon. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Et à la réception, c'est Aubameyang. Boum, grosse frappe et ça frôle la transversale.
Ça joue avec Roberto Firmino. La fin du match est donc une mauvaise opération pour Liverpool qui perd cette rencontre. C'est un score plutôt décevant pour cette équipe. Il va falloir se reprendre très rapidement. Il a été parfait. Aujourd'hui, une grande prestation de la part de Kaya. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.